Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compagnie of Heroes 3. On se retrouve pour la suite de notre campagne italienne. Alors du coup, j'avais rechargé un tout petit peu avant parce que j'avais fait effectivement certaines erreurs. Le problème c'est que ça fait une petite semaine que je n'ai pas eu l'occasion de tourner, donc j'espère que je ne vais pas refaire les mêmes erreurs et que je vais m'en souvenir. Pareil, je ne sais plus si dans la précédente vidéo j'avais dit ou pas que je crois que oui, hein, que j'avais remarqué que effectivement les talents se débloquaient par type d'unité. Voilà, donc celle-là était effectivement de niveau 1, celle-ci est de niveau 4, et l'autre qui est ici est de niveau 7, avec elle on va aller d'abord sur cette ville ici, pour reprendre toute cette zone-là. Avec cette unité-là, de toute façon on n'a plus d'action, moi je crois qu'on peut plus rien faire de toute façon. Donc on va mettre fin au tour, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en étais resté sur la fin du tour. We're hearing rumors of a POW camp somewhere near Sulmona. Ok. Judicious use of supply caches would enable our men to remain out of supply for longer. And of course, destroying any enemy caches we discover would lessen the effectiveness of German troops. The Krauts are leaving Calabria. We need to seize this opportunity and stop them before they reach the safety of Potenza. Alors Calabria, c'est où? Je vois pas. Alors oui, hein, c'est le problème du ravitaillement, effectivement. Si mes souvenirs sont bons pour gérer ça. Enfin là, ça va le ravitaillement, non? Alors, c'est comment déjà? Il augmente de 30 unités par tour en territoire là et diminue de 10 par tour en territoire allé. Même point là, augmente la capacité de ravitaillement maximale. Ouais. Alors pour construire, je sais pas comment on en construit un hein, par contre. Pas avec eux en tout cas. Bon, de toute façon, on va aller ici. Et on va capturer. Capturing the city of Potenza would significantly bolster the reliability of our supply lines. Ouais, donc ça on l'a bloqué, ça pas encore. Ok, pas mal. Bon, on va falloir aller, faudra aller détruire le bunker de mitrailleuse. Bon, est-ce qu'on puisse le faire? On va le faire comme ça. Ça nous coûte des munitions, mais c'est pas grave, au moins ça évite. Voilà, ça évite de s'y rendre avec, avec un autre véhicule et perdre du temps. On ira plutôt par là après. Ici, j'aurais eu tendance quand même à redescendre sur Nocera. Elle a l'air un petit peu défendue aussi. Hein. Ça coûte 150, ouais, donc je vais pas pouvoir le recommencer ça. Je vais descendre avec ce véhicule-là. Ok, le bombardier, ça serait une bonne chose. Ensuite, j'aimerais bien construire un bombardier. Ouais, j'ai plutôt peut-être. On peut pas en convertir un des deux en ressources. Bon, ça me sert à rien d'en garder deux. Ça me ferait peut-être gagner en population aussi, ça va m'enlever deux. Je suis pas sûr que ça nous suffise par contre. On va aller détruire ça. C'est avec eux qu'on peut construire, c'est ça, d'accord. Faut le détachement logistique. Ouais, bah je l'ai pas du coup.
Voilà, maintenant je l'ai. Peut assurer l'avènement des compagnies d'emplacement et influencer sur les batailles aériennes à proximité grâce à sa compétence passive ravitaillement. Très bien. Bah, je pense que c'est tout. Alors, eux, c'est vrai que j'ai des talents hein, que je peux prendre. Donc, déploie des gourkas. Ouais, ça c'est bien. Là, déjà. Sur l'autre unité, mais on pourrait le prendre ici. Trois points disponibles. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Après, ouais, les gourkas, j'aime bien quand même. Hein. On va prendre ça. Et l'unité de mortier lourd. Prendre bravoure. On va rester sur notre renforcement des artilleries indiennes qui sont vraiment pas mal. Je pense qu'on est bon dans ce qu'on peut faire à notre tour. On va voir ce qui se passe. S'ils ne font que de la reconnaissance, ça ne me gêne pas. Commander, Potenza seems like a prime target. We take that city. And we'll have a solid front line across the country. Ouais, ouais, bah c'est prévu, hein, je vais aller le prendre, hein, capturer Potenza. C'est en projet. Après, j'aurais bien aimé, mais je sais pas si on va pouvoir envoyer un peu de reconnaissance par ici. Probablement si. Ok, donc il y a de la DCA, il y a eux, il y a de l'obusier. Trop loin. Trop loin, dommage. Ah ouais, la limite elle est là, punaise, c'est frustrant, c'est pas très loin. Par contre, on pourrait pas ajouter un détachement d'obusier. Ah, mais ouais, mais avec la limite de population atteinte, c'est un peu chiant. Comment on fait pour augmenter la limite de population, tiens? Y'a rien qui nous permet de faire ça? Pas l'impression. Hein. Bon, moi je vais prendre cher là, hein, ça c'est sûr. On fait un petit barrage de la compagnie, faut dire ici. Allez.
Recent attacks have caused a fire to break out at a nearby supply depot. We should garrison some men there to deal with the blaze. Ah ben. Ouais ouais ben. Minute papillon. Faut déjà qu'on s'occupe d'eux. This conflict is beginning to take its inevitable toll on our men. There is a growing desire for some kind of respite. Bah, j'ai pas les infos, merci les gars. Motivating your men, Clarence, you just let me know. Bon, on va y aller. Alors, les ressources des arbres volées peuvent être récupérées sur le bataille, ouais. Tiens, un piège positif entièrement déposé par les partisans qui éminent toutes les unités à proximité et neutralisent la position. Et eux, ils ont de l'anti-aérien et du barrage d'obus. Ouais, ils sont quand même mieux que nous comme ça sur le papier. Bon, on va essayer ça. Histoire de faire quand même un petit peu d'action. On est là pour ça, hein. Allez, let's go. All right, men. We're looking at some pretty desperate krauts here. Let's show them all we've got and send them running back to their grandmas. Just keep in mind they'll be throwing everything they've got back at us. And I'm not planning on facing the wrath of Grandma Conti just yet. Ok, alors je mets en pause de petites secondes et je vous reprends. Ok, on est de retour. Je faisais 2-3 réglages parce que je sais pas pourquoi mon OBS a un peu de mal là, alors que d'habitude ça marchait très bien. Bon, bref. Affiche des dégâts pour saper le moral de l'ennemi. Ok. On prend le lance-flamme hein, comme d'habitude. De la mitrailleuse. Et de l'infanterie direct. Traîne pas. C'est les fameuses caches. Gurkha rifles have been brought up to the front. On va débloquer équipe de reconnaissance, on va prendre ça. Infantry section trained and ready. Heavy machine gun and crew are ready for orders. Your orders are coming. Ready for trouble. Who's he calling Tommy? Only Dixon Harry's here. Sappers, report in. Stow that gear, boys. We're going. Ah, pack it up, lads. We're moving. Ouais, donc je vais corriger ce que j'étais en train de faire. Alors, eux. Les mitraillettes, elles sont là. On a dit d'aller là. En fait, ils vont plutôt venir. Ici. Let's move, Gagali. Stay alert. This belongs to the Germans. Austria is ours. Can we blow it up? When package has arrived. Contact with the enemy. We're in it now. Ils vont venir les rejoindre. Thank you.
Hop, avec eux, on va aller prendre ce point là, histoire de foutre un peu le bordel. Heavy mortars have been made available. Allez, on déplie... Oh là là, la grenade va faire mal. Hop. On a vécu une structure de renfort, ouais. Be ready for anything. Marching is what we do. Par contre, les gars. Action, Gokali. Location secured. Despite enemy resistance. Always shut your mouth and move. Royal engineers out of contact. Dead. Mince, j'ai perdu mes lance-flammes. Zut. Bon, de toute façon, il faut qu'on fasse d'autres bâtiments. Hop, let's go. Enemy ground forces have claimed a sector. Close range combat! Stand back! We must claim that ground, brothers. We love marching, brothers. Advance and claim that ground. Liberate that point, Gurkhas! Presence and accounted for, sir. Orders, jump to it like fucking. On va vite fait les renvoyer pour qu'ils reprennent un petit peu du poil de la bête. Voilà, un petit canon automoteur, parfait. Parfait. The Kakali are always ready to fight. Gurkhas, you heard the order. We're losing a munitions point. Bishop 25 pounder carrier is ready. Hop, on ramène le busier ici pour être en soutien de tout le monde un peu. On a eux. Ils vont venir là. We're losing a munitions point to enemy action. Quiet down and listen up. No rest for the wicked, chaps. Wait a minute. The enemy is down to 200 points. Carry on. MG, say the word. Pay attention, lazy buggers. Sector lost. Repeat. Sector lost. Ready! Wankers! Nothing but fucking wankers! Bloody hell!
Ils vont arriver. Ah non, c'est bon, ils ont pas réussi à fuir. Parfait. Avec les tirs. Il me reste encore largement de quoi faire. Hein. Faudrait du blindé. Hein. Il va me falloir de l'anti-char surtout, parce que quand ils vont sortir les blindés, s'ils les sortent, ça va me faire tout drôle. On va reprendre du fusilier. Hein. Ok, moi je vais aller prendre ça du coup. An infantry section of Tommy's has been trained. Will it be, sir? Points ours, about time and all. C'est vrai que j'ai du monde ici aussi. Hop, on va tirer la grenade. Prendre ce point là. Ah le bâtard, un sniper là-bas. Allez, bim! Bon, on se barre par contre parce qu'on a pris un peu cher. Putain, ça bombarde, ouais. On recule. Et on croise les doigts. Eux, ils viennent ici. Lui, pour le moment, il attend sagement. Et on va construire le deuxième bâtiment. I'm sure he'll get promoted away if we just let him get some combat experience. Just don't get him killed in the process. Ok, alors. C'est parti, on bombarde. Hein. The location.
donc il faut qu'il se fasse un peu la main apparemment. Faut se barrer, ça pue. Alors. Est-ce que j'ai... Non, j'ai encore de la place. J'ai pas assez de ressources par contre. Zut. Losing a fuel point. Guns getting cold, Commander. Supplies aren't making it back to HQ. Lines cut. Medium tanks standing by. Brothers, come on, welcome to the front line. An infantry section is present and accounted for. Pardon, hein, si je parle pas toujours, tout va bien, c'est juste que je suis concentré. Priorité aux véhicules activés, bien sûr. Alors, ensuite, eux, faut que je les fasse avancer un peu quand même. Chez vous les gars. You wankers will march. Pack it up, lads. We've got all on your feet. On se barre, on se barre. Allez, on se barre. Mais par contre, lui, il a... on va être prêt. Voilà. Ah ouais, mais les gars. Parfait. Toi. Ok. On voit tout le monde là-bas. Ici. Mitrailleur, on s'en occupe. Ils auraient bien dû. Ok. Ok.
T'es pas censé trop tourner, hein, Coco, mais bon, c'est pas grave. Bah oui. Ensuite, eux, bah ils vont venir là justement. Recule. Donc il va me falloir des ingénieurs parce que du coup je ne peux pas réparer. Hop, on va leur donner ça. Le lance-flamme quand même au cas où. En même temps, je dois en profiter pour utiliser lui s'il a la portée. Et il est pas loin de l'avoir pour tirer là-bas. Voilà, ça c'est fait. Hop. Ouais, c'est galère de viser avec ça quand même. Hein. Ok, donc là ça a déjà été fait. Là, je pense qu'on va pas y être à temps. Replier. C'est bon, si on se met là, on se met à l'abri. Merde. De toute façon, il en reste plus qu'on se point, je pense qu'on va gagner sans problème. Néanmoins. C'est bon, victoire!
C'est le GG. Allez. Toujours est-il qu'on les aura au moins battus, ils sont obligés de se replier. Voilà, avec eux, on va aller prendre l'aéroport. Et avec eux, on devrait pouvoir prendre nos Serra. Ah, ou alors ce sera peut-être au tour prochain plutôt. On va se réparer en attendant. Et voilà, je vais mettre fin au tour et mettre fin à la vidéo. Plutôt, je mettrai fin au tour la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie encore pour l'accueil que vous faites à la série. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu, je prends. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.